depuis le départ, on a dû faire à peu près 120 km sur les 320 qui nous restent, au total. Donc il nous reste encore un peu de chemin. Bon, il est 16h là. On va peut-être arriver vers minuit. Ce serait pas mal. Par contre, le brouillard est en train de dégueuler là. Bon, on va voir un peu comment ça se passe. La marée va descendre, donc on aura moins de problèmes à passer les crêtes là. Donc, on est bien. On est bien. Il fait bon, il fait beau. Mitty Petersen Jensen. Elle est née ici en 1965 à Kuchorswark. Elle a 56 ans. Et elle m'a demandé de venir chez elle pour lui raconter une légende importante. Bonjour. La légende de Sassouma Arna. Bonjour. Cette histoire commence par une bagarre entre un père et sa fille. Son père l'emmène se marier contre sa volonté. Et sur le chemin, leur embarcation se renverse. Et sa fille tombe à l'eau. Sassouma Arna ne va pas mourir dans l'eau, mais elle va continuer à vivre au fond de la mer. Sans ses doigts, elle n'arrive plus à se coiffer. Les baleines, les phoques, les narvals, qui sont trop chassés par les hommes, vont venir se protéger dans ses cheveux et les emmêler. Alors à ce moment-là, Mitty me dit « Tu vois Nicolas, si les hommes chassent trop, elle va retenir tous les animaux dans sa chevelure et les hommes n'auront plus à manger. Tu comprends? Il faut que les hommes consomment moins. Tu dois raconter cette histoire à tes amis. » Et c'est ça, la légende de Selma. Thank you.
Quelque chose de vraiment exceptionnel, c'est un peu renoué avec les expéditions de Knud Rasmussen, d'Amundsen, de Nansen, tous les grands explorateurs polaires qui partaient, qui ont compris que pour conquérir les pôles, bah, il fallait partir avec les populations autochtones. Donc je suis très, très heureux d'avoir pu partager avec Wooly, Mathia et Paulus, mes amis, là, cette découverte, ce lieu. Tout à l'heure, on a bien rigolé en donnant des noms à toutes ces îles qui nous entourent. Une très belle aventure, toute cette traversée en traîneau. On n'a pas le droit de venir ici autrement qu'en traîneau, donc c'est long, ça peut être compliqué, la glace n'est pas toujours très bonne. Puis c'est des zones totalement inexplorées, donc eux-mêmes ne savent pas par où passer, on doit chercher notre chemin en permanence. Et c'est une aventure est aussi poétique que l'endroit qu'on vient de découvrir. Quand tu es là, tu te dis, tu vois le point qui est là-bas, tu te dis glacier, il y a 40 ans il est là-bas, maintenant c'est 20 km par là, maintenant il est 10-15 km par là, il y avait au-dessus de ma tête là, 400 mètres de glace, la quantité de glace qui a fondu en quelques années, c'est complètement hallucinant, quoi. Tout ça, hop, qui a disparu. Alors bon, oui, la nature, elle bouge, hein. C'est normal, hein. C'est dans l'ordre des choses, quoi. Mais là, tu te dis que vraiment, je trouve que c'est dans ces lieux-là où on dit souvent qu'il faut vivre les choses, rien n'existe tant qu'il n'a pas été vécu. Il faut vivre ces choses-là pour se rendre compte de l'énormité de ce qui est en train de se passer. Alors, l'inquiétude, je pense qu'on n'a plus le temps d'être inquiet hein, maintenant, mais c'est vrai que moi, beaucoup de choses ont changé depuis que j'ai eu ma fille, ma petite Zoé, qui a 5 ans. Je n'ai toujours pas emmené ici, et je pense que d'être là, en tout cas, c'est sûr que l'année prochaine, je l'emmène. Je veux qu'elle voit ça, je veux qu'elle comprenne, quoi. Qu'elle comprenne les changements, non pas pour la faire flipper, mais juste pour qu'elle comprenne qu'il va falloir qu'elle s'adapte, quoi. Comme eux, ça fait 4500 ans qu'ils s'adaptent à leur vie, à cette vie incroyable. Enfin, je veux dire, ils sont là, habillés en pantalon en peau d'ours, avec leurs chiens, seul moyen pour venir ici. Ils vivent encore comme ça, et à la fois, ils ont tous un téléphone, ils sont tous sur Facebook. Voilà, maintenant il faut qu'on arrête de consommer, qu'on change nos pratiques, urgemment. On arrête de vouloir répondre à la technologie par la technologie. Il faut qu'on évolue, il faut qu'on s'adapte. Quoi. On va faire que ça aille bien. Ça marche, fais gaffe,
Kisiani sortlu una machakut machakut maani. Cette mission vers ces nouvelles terres nous permet d'emmener pour la première fois un scientifique sur place. De cette manière, avec l'aide des chasseurs de couches lorsoir, on va lui permettre de faire des relevés topographiques et de mesurer la vitesse de recul des glaciers et donc l'impact du changement climatique dans cette région. Cette calotte glaciaire du Groenland, une immense surface blanche et glacée qui recouvre 99% de la surface du Groenland, a un rôle particulièrement important pour notre planète. C'est elle, en fait, qui va permettre de réguler tout le climat de l'hémisphère nord. C'est-à-dire que toute modification fonte de cette masse de glace va avoir un impact extrêmement important sur notre climat. Yolle, yay, yay, yolle, yo.